Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne, Marilyn le DP de Cuper. Aujourd'hui, nous sommes mardi 12, je crois, ouais, 12, 11 ou 12 mai. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing et faire le point pour le défi que j'avais décidé de faire. Et puis, discuter un petit peu. Donc, voilà. Bon, alors, nous allons faire un petit unboxing. Le premier, alors, c'est... j'avais commandé du washi tape. Donc, je vous le montre. J'ai déjà ouvert le paquet parce que je l'ai reçu hier. Et comme j'attendais un nouveau paquet, je me suis dit, je vais tout faire en même temps. Mais je voulais voir la qualité. Donc, voilà. Donc, le premier en rose. Avec plein de petits motifs. Et le deuxième, plus printanier, dans les tons marron, vert. Des petites boîtes comme ça. Donc, ça vient, le washi tape. Ça vient du vendeur Top Living Art et Craft Store. Je pense que ça doit être un spécialiste dans le, je sais plus comment on appelle ça, scrapbooking, je crois. Donc les deux boîtes, donc c'est deux boîtes de 12. J'ai payé 3,61 € l'unité. Donc ça va, c'était pas très cher. Et je les trouve très bien. Hein. La qualité, elle est bien épais, il est pas transparent. Donc voilà. Ensuite, petit colis arrivé ce matin. Il fait du bruit celui-là. Bon, je ne l'ai pas du tout ouvert, je vais l'ouvrir avec vous. Donc du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. Sachant que j'attends les Marvel que j'avais commandés. Et les Gorgeous, deux Gorgeous aussi. Donc je vais ouvrir ça avec vous, je vais vous baisser un petit peu pour que vous puissiez voir mes mains. Hop, voilà, on y va. J'espère que vous allez bien. Que vous passez une bonne journée. Vous avez passé une bonne journée. Et lui. Alors, un toolkit. Donc, barquette à bec, pain de colle, stylet avec un placeur, petit sachet zip, on a pas mal, et la pince qui sert à rien, la pince à nœuds. Donc, un toolkit, deux toolkits, donc je pense que ça va être une gorgeous. Et ah bah c'est bien emballé, dites donc. Dans un sachet transparent mais bien épais qui est autour. La petite mousse au milieu. Hop. Alors, un diamant. Donc, un sachet. Deux sachets. Alors, et oui, c'est mes gorgeous. Donc la petite gorgeous d'été, c'est la mère. Elle est trop mini. Donc, elle est en diamant carré. C'est une 30 par 40. Elle est vraiment jolie. Et la deuxième, c'est la Gorgeous sur son petit champignon. C'est pareil. Elle est en 30 par 40. Et par contre, là, c'est des diamants ronds. Parce que, bon, vous savez, moi, j'aime pas trop les diamants ronds. Mais comme j'ai reçu les diamants AB... que je les ai en rond, je me suis dit je vais la prendre en rond, comme ça je vais intégrer des diamants ronds AB dans cette toile. Donc voilà. Bon, on va regarder les toiles, on regardera les diamants après. Alors ceci, je les avais commandés. Alors les gorgeous chez le vendeur Laila Handmade Painting Store. Donc c'est toutes les deux en 30-40, donc une en rond, une en carré. Je les ai commandés le 27 avril et je les ai reçus aujourd'hui. Donc, nous sommes le... Je crois que c'est... On est le 11 aujourd'hui. 11-05-2021. Et j'avais payé 6,97 € l'unité. Donc, voilà. Les washi tape, je les avais commandés quand? Tiens, j'ai pensé à regarder. Ah, le 29 avril. Je les avais commandés. Et là, je les ai reçus aujourd'hui. Donc, nous sommes le 12-05-2021. Alors, pendant que je déballe mes toiles, je vais vous donner quelques petites nouvelles de maman. Donc, maman, ça va, on va dire, allez, à peu près, ça va. Le médecin est passé samedi. Ah non, attendez, je vais me reculer pour ne pas faire trop de bruit. Je vais essayer de les déballer comme ça. Non, je ne peux pas. Excusez-moi du bruit. Je sais qu'il y en a bien, il y en a qui aiment bien, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Et puis là, il était vraiment bien. Oh là, il y a une belle feuille qui était collée avec. Hop. Donc oui, je disais, donc maman est passée, le médecin est passé voir maman samedi. Bon, il a dit comme moi, il pense qu'elle est très très déprimée, très
Elle a perdu énormément de poids. Elle a perdu l'appétit, elle a perdu l'envie de se battre en fait. Donc du coup, il m'avait fait un papier pour la faire hospitaliser, pour qu'elle soit vue par un psychologue et faire un petit peu le bilan sur la situation générale de son état. Mais maman l'a pris très mal parce que j'ai décidé il y a quelques jours de partir. Je vais partir 4 jours là pour le long week-end parce que je suis vraiment épuisée, je suis vraiment physiquement et moralement fatiguée. Il faut que je fasse un break parce que sinon je vais jamais tenir le coup comme ça encore longtemps. Donc pour elle, elle s'était imaginée qu'en fait je voulais la faire hospitaliser pour me débarrasser d'elle quoi. Donc non, ce qui n'est pas le cas du tout. Si je la fais hospitaliser, c'est parce qu'elle en a besoin. C'est parce qu'elle est fatiguée, qu'elle a besoin de parler, il y a beaucoup de choses qui fait que voilà. Mais elle m'a appelé, j'ai eu très très mal au cœur de ce qu'elle m'a dit parce que parfois maman peut être très méchante. Donc ça m'a pris au cœur, je l'ai très mal pris. Je peux vous assurer que j'ai passé un week-end très difficile. Mais bon, voilà. Et donc pour l'instant, je ne la ferai pas hospitaliser. J'ai été la voir hier. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir... Parce qu'après samedi, quand elle m'a appelé, mon fils m'a emmené la voir parce que je pleurais beaucoup et qu'il fallait que je parle avec elle. Donc je lui ai expliqué la situation et je pense que ça l'a fait cogiter parce que je suis arrivée hier, elle était beaucoup mieux. Elle n'était pas en larmes, elle n'était pas en train de bouder comme elle fait d'habitude. Et donc je lui ai dit que s'il faut la faire hospitaliser, je la ferai hospitaliser, mais la semaine prochaine. Cette semaine, je ne la ferai pas. J'ai tout le monde qui va s'occuper d'elle pendant 4 jours. Elle a les auxiliaires de vie, elle a son amie, elle a sa copine d'enfance. Je pense qu'elle aura de la visite aussi pendant les 4 jours. Moi, demain, je vais faire toutes ses courses pour le restant de la semaine. Je vais préparer tout ce qu'il faut pour les 4 jours. J'ai prévenu les auxiliaires de vie. Donc, tout le monde est prévenu. J'ai un de mes fils qui reste ici en cas où. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment que je parte parce que là, je sature. Je n'en peux plus. Justement, je voulais vous dire aussi pour le défi, j'avais dit de le mettre en place cette semaine, mais comme je suis un petit peu débordée par maman et par tout ce qui se passe, on va le reporter. Je pense que je vais le reporter à la rentrée. Ne m'en voulez pas. Mais ça va être trop là, je vais pas réussir. Je vais mettre tout ça en place, je pense vers le 15 août, un petit peu avant la rentrée, pour que tout le monde puisse se retourner. Et puis voilà, je vous oublie pas, je vais continuer à faire des petits concours comme ça, des petits concours flash dans mes vidéos, pour vous faire gagner des petites bricoles, mais le défi fil rouge, on le fera un peu plus tard. Ne m'en voulez pas. Bon, allez, on y va. On arrête de se lamenter. On se motive. Allez, motivation. Donc, 2 petites toiles en 30 par 40. Hop, en une seule feuille. Ah, j'oublie ma petite barquette. Zut. En une seule feuille. Hop, je vais prendre la... Oula, vite, parce que ça fait déjà une rivière. Petite spatule. Désolée. J'ai copié la moitié du matériel. On va se dépêcher parce qu'il y a une rivière qui est en train de se former. Vous voyez? Je ne sais pas si vous la voyez. Quand on déplie avec le changement de température, ça fait une bulle d'herbe. Donc, il faut vite l'enlever pour vite empêcher que ça fasse une cloque dans la colle. Parce que ça, ce n'est pas de la colle coulée. Hop. Allez, on y va. On racle un petit peu les coins pour être sûr que la colle adhère bien sur la toile. Voilà. Et on y va pour décoller les 4 coins, donc comme pour les nouveaux, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux. Si on fait ça, c'est pour détendre la toile. Bon, ben, je vois qu'il y a déjà une rivière en bord. Pour détendre la toile, pour qu'on puisse la découvrir sans qu'elle se rabatte. Oh là, elle est très très foncée comme toile. Hein. Hop. Voilà, on y va pour ce côté-là. Hop. Vous voyez pas si bien que ça. Hop. Voilà. Peut-être la lumière, elle est peut-être trop forte là. Hop. Allez, on y va. Donc, on décolle tout doucement pour ne pas arracher la feuille comme moi je le fais d'habitude. Oh là, il y a beaucoup de rivières. Déjà sur le haut, je vois qu'il y a pas mal de rivières. J'ai créé 2 rivières. Juste un instant, en décollant la feuille. Oh, elle est magnifique. Attendez, je vais vous la mettre dans le bon sens. Regardez-moi ça comme elle est mimine. Elle est vraiment mimine. Oh, j'adore. Ah, j'adore. Hop, regardez-moi ça.
Elle n'est pas mignonne, cette petite gorgeous à la plage. Oh là là, j'adore. Ça sent très fort la colle. Je vais essayer de vous montrer les symboles. Alors, ils sont très bien. Je vais essayer de vous montrer la rivière que j'ai fait. Je ne sais pas si vous allez la voir. Alors, est-ce que vous allez la voir en reflet? Non, je ne pense pas que vous allez la voir. Non. Ouais, elle est vraiment belle. Hein. Hop, on va vite la... Oula, j'ai manqué de faire une grosse bêtise. On va vite la remettre. Hop. Ah, j'ai fait un petit craquage. Ouais, en fait, c'est pas un craquage. Mon fils aîné m'a demandé ce que je voulais pour ma fête des mères. Et comme vous savez, il y a 2 mois, je me suis commandé le tigre blanc sur Ever Moment. Et bah du coup, hier soir, j'étais faire un petit tour et puis j'ai trouvé mon cadeau de fête des mères. En fait, j'ai pris un tigre qui vient aussi de chez Ever Moment. J'ai pris un tigre de Sibérie pour ma fête des mères. Donc, je l'ai commandé, vous inquiétez pas. Je ferai un unboxing. Comme ça, j'aurai le blanc et l'autre. Alors, sur cette toile, il y a... Oh, bon, on va regarder après parce que c'est collé dessus. On va regarder sur la feuille de route. Je sais qu'il y en a une avec celui-là. Voici la deuxième. Donc, on va se dépêcher pour ne pas créer une lumière comme l'autre. Elles sont raides. Elles sont raides. Oh là là. La colle colle très bien, je suis très contente. Alors, bah, j'en train d'en créer une. Ah zut, on va se dépêcher. Oh, il y a du rose dans celle-ci. Hein. Beaucoup, beaucoup de rose. Du rose et du bleu, tous les couleurs que j'aime bien. Hop, on y va pour le dernier. Voilà, et on y va pour décoller. Je vais décoller dans l'autre sens parce que j'ai recréé la même chose que l'autre. Une petite poche d'air dans la toile. Allez, on y va. On y va tout doucement. Pas arracher le papier. Hop. Allez. Et une petite rivière en plus. Ah, celle-ci aussi, vous la voyez bien. Hop, je vais la mettre comme ça. Regardez comme elle est mimine, son petit champignon. Bon, j'ai vu beaucoup de youtubeuses la faire, hein, celle-ci. Mais elle m'a fait craquer. Franchement, elle m'a fait craquer. Regardez-moi ça. Elle n'est pas mignonne, cette petite demoiselle? Oh, elle est très belle. Les couleurs sont magnifiques. Je vais vous montrer un petit peu. Les symboles sont très bien. Bon, j'ai créé une petite rivière, mais elle va être facile à enlever, je pense. Il n'y a rien de dramatique, dramatique. Allez, on y va pour recoller en une fois. Hop. Hop, on racle bien. Les bulles d'air. Hop, c'est de l'autre côté. Ouais, j'ai créé une belle rivière. Il va falloir que je la coupe au cutter, mais bon, c'est pas dramatique. Hop, voilà pour celle-ci. Je suis contente parce que c'est pas de la colle coulée. Parce que moi, et la colle coulée, ça fait 2. Allez! Hop, est-ce qu'il y a une bulle d'air sur celle-ci, on dirait? Non, ça va, je crois que j'avais fait une bulle d'air, mais non. Voilà. Allez, on y va pour faire et vérifier les diamants. Hop, donc on va prendre la première au champignon. Désolée pour le bruit. La jeune fille aux champignons. Hop, ah, il n'y a pas de nom de couleur. Donc, nous avons une feuille de route, comme d'habitude. Donc, feuille de route dit les symboles, le numéro de la couleur. Et si je ne me trompe pas, ça doit être le nombre de diamants apposés sur la toile et le nombre de sachets qu'il y a dans l'emballage. Bon, elle n'a pas été vérifiée celle-là, donc on va peut-être prendre son temps à tout vérifier pour ne pas se tromper. On va le faire ensemble. Je vais vous monter un petit peu. Hop. Voilà. Hop, allez, je vérifie avec vous. On ne va peut-être pas faire les deux, mais on va en faire une complète. Donc, c'est celle au diamant rond. Donc, 3607, nous avons 5 paquets. 3607, 5 paquets. C'est OK.
33,54. 11 paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 paquets. Hop. 30, 42. 7 paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Je ne sais pas si vous avez prévu de faire quelque chose pour ce long week-end. Peut-être qu'il y en a qui ne font pas le pont. J'espère que vous aurez beau temps parce que vu ce qu'ils prévoient, c'est pas le top. Hein. Moi, je pense que je vous ferai une petite vidéo coucou de mes vacances, enfin de mon petit week-end. Je vous ferai une petite vidéo coucou. Je pense dans la semaine. 9,66, 2, 3, 3, mais si vous voulez bien arriver, mais il va rester dehors parce qu'il est tout mouillé et je viens de faire la maison. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 945, 10. Il y a des belles couleurs, hein. Oh là là, regardez-moi ce beau vert. Oh, j'adore. 978, 3, 718, 3, 500, 598, 1 seul, 554, 3, c'est bizarre, c'est pas la même couleur qu'habituelle. 3, 37, 78, 7, 310, 2 seulement, 208, j'en ai 3, 159, 1 seul, 500, 1 seul, 725, 1 seul, 408, 1 seul, 498, un seul, 844, 2, 844, 900, un seul, ok, 37, 26, 2, 823, un seul, 823, un seul, un beau bleu turquoise, 959, 4, désolé pour les bruits. Ah, il y a un sachet de sachet, aussi, il y a des diamants dans le sachet, hein. Je pense que c'est le marron. Le marron, il doit être percé, je pense. Ah ouais, il est mal soudé ici. Bon, on va le mettre dans un sachet. 38, 57. 2, 819. 2, 38, 63. 3, 958. 958. Ah, il est là. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. On n'en voit pas bien. 38, 47, 3. Ah. Ah non, je me suis trompée. 38, 47, 3. 38, 37, 31. 2. 38, 13. 1. 38, 09, 2, c'est ok. 38, 04, 2, ok. 918, 1, ok. Et le dernier, c'est collé. 915, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4, c'est ok. Et bien, la toile est ok. Elle est au complet. Donc, celle-ci, c'est bon. Hop là. Je pense que mes diamants ronds
les diamants AB qui vont bien incorporer. Je la préparerai avec vous, cette toile-là. Comme ça, je vous montrerai à quel endroit je placerai mes diamants AB. Si j'arrive à... Parce que j'aimerais bien aussi vous faire des vlogs sur l'avancée de mes toiles et puis diamanter un petit peu avec vous. Le problème, c'est que je ne sais pas comment faire les vlogs. Vous savez, parce qu'on peut le faire en plusieurs jours, donc on arrête la vidéo, on la reprend un peu plus tard, et ça, je ne sais pas du tout comment il faut faire. Alors, est-ce qu'il faut absolument un appareil photo ou une caméra pour le faire? Je ne sais pas, parce qu'avec le portable, je pense que c'est pas possible à faire. Je vais essayer de regarder un petit peu sur internet. J'ai regardé un petit peu, mais bon, c'est pas, ça explique pas bien en fait. Hop, donc on est parti pour celle-ci, elle est ok. Hop, on va faire la deuxième. Tac, combien de minutes? 20. On va se dépêcher. Désolée. Hop, alors celle-ci, nous avons... Ah, j'ai même pas dit le nombre de couleurs pour l'autre. 1, 2, alors j'ai champignons, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 couleurs. Celle aux champignons, elle est à 38 couleurs. Et celle à la mer, elle est à 38 aussi. Alors, 38 couleurs. Couleur dominante, le 747. Et 38, 65. Bon, ce que je vais faire, je vais commencer avec vous. Et je vais peut-être vous mettre en pause et vous reprendre après. Donc, le blanc dominante. Alors, nous en avons 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop, il est OK. Un tout seul ici. 838. Désolée pour le chien qui n'arrête pas d'aboyer. 838, on l'entend tout le temps à longueur de journée. Ça devient pénible. 799. 785, c'est ok. 796. Non, 780. Oh, je vois pas bien. 796, oui. Nous en avons 3. Oh là là, 823. 823. 2. Je vais vous mettre en pause et je vous reprends tout de suite. Voilà, je suis de retour. Bon, la toile est ok. Hein. J'ai rien à dire. Je suis contente. Les deux toiles sont au complet. C'est un vendeur que j'avais jamais commandé. Mais je pense que si ça va, je pense que je vais le garder. Je vais mettre un gros smiley sur moi. Je vais marquer OK. Et quand c'est des très bons vendeurs, moi, sur mon petit cahier, je mets un plus, plus, plus. Comme ça, je sais que ce vendeur-là, il est au top. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, en dépit, il ne me reste plus que mes Marvel. Je n'ai toujours pas reçu. J'ai renvoyé un message au vendeur ce matin qui m'a dit... qui m'a prolongé mon délai de livraison. Donc, avant qu'il me dise ça, il m'a envoyé un message en me disant « Vous inquiétez pas, il est parti à la poste. » Et puis, 2-3 minutes après, qu'est-ce que je vois? Une prolongation du temps de livraison alors qu'il était prévu d'être livré dans moins de 6 jours quoi. Le temps il était terminé dans 6 jours. Donc j'ai renvoyé un message, je dis si vous me dites qu'il est à la poste, pourquoi avez-vous prolongé le temps? Bon, il a mis ça sous le prétexte que ça me donne plus de temps pour vérifier la toile. Bon, après j'ai pas besoin de 15 jours pour vérifier une toile. Moi je vérifie mes toiles tout de suite. Ça c'est un conseil que je vous donne, c'est de vérifier toujours vos toiles et toujours vos diamants des réceptions. Parce que si vous avez un souci, vous pouvez envoyer un message au vendeur et il essaiera d'y répondre au plus vite et il essaiera de résoudre le problème. Donc, toujours vérifier vos toiles tout de suite et vos diamants tout de suite. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'avais quelqu'un qui m'avait demandé quelque chose, mais je ne me rappelle plus et j'ai oublié de le noter. Je ne sais plus. Il faudra que je regarde dans les questions qui ont été posées. Donc, eh bien, écoutez, je vais vous laisser... Pour ce unboxing aujourd'hui, comme d'habitude, je vous mets tous les liens de la description des toiles et du washi tape dans la petite barre d'infos après ma vidéo.
Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker, de partager mes vidéos et de vous abonner aussi et de partager tout autour de vous. Je vous fais plein de bisous. Donc, je pense qu'on ne se reverra pas pour un unboxing avant que je m'en aille. Mais je vous enverrai un petit coucou durant le week-end. Juste pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Eh bien, je vous fais des milliards de bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bye bye, à bientôt.